Hello à tous les travelers, nous sommes heureux de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons te présenter le prestigieux programme de bourse et post du DAAT. Voilà, le DAAT qui est simplement l'office allemand d'échange universitaire. Donc si tu souhaites donc étudier en Allemagne pour le compte de l'année 2021-2022 et 2022-2023, accompagné bien sûr par la bourse du DAAT, nous t'invitons à rester jusqu'à la fin de la vidéo, à suivre entièrement la vidéo jusqu'à la fin pour connaître toutes les informations relatives à ce programme. Et on se dit simplement à tout à l'heure après le générique. Si c'est la première fois que tu nous découvres, sache que sur cette chaîne, nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédures de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Et si toi, en fait, ce sont des thèmes qui t'intéressent, bah, tu sais ce qu'il y a à faire. Déjà, tu likes les vidéos, voilà. Tu likes, tu commentes, tu partages, mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines opportunités que nous partageons sur la chaîne. Et nous t'avons également informé que dans le cas où tu es intéressé par un coaching particulier sur une procédure qui t'intéresse, tu as la possibilité d'inscrire à nos formules de coaching. Et bien sûr, après inscription, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Pour cela, nous t'avons laissé en bas de description la vidéo, nos informations de contact. Tu auras simplement à nous contacter et après avoir effectuer ton inscription, nous pourrons t'accompagner étape par étape dans tes procédures d'études, de bourse ou d'immigration à l'étranger. Alors sans plus tarder, nous allons te présenter le prestigieux programme voilà et post du DAAT qui est exclusivement offert aux étudiants ressortissants des pays en développement. Donc si tu es donc titulaire d'une licence voilà et que tu souhaites faire un master ou un doctorat en Allemagne entièrement financé par le programme de bourse du DAAT, tu as la possibilité voilà, de t'inscrire pour le compte de l'année 2021-2022 aux différentes filières voilà, ouvertes auprès des universités allemandes voilà, pour le compte de la prochaine année universitaire. Alors le programme EPOS, pour simplement résumer, c'est un programme qui a été initié par le gouvernement allemand et qui est soutenu par le service allemand d'échange universitaire. Ce programme vise particulièrement à former voilà, des professionnels, des chercheurs voilà, qui travaillent sur des thématiques de développement et qui au terme de leurs études vont contribuer au développement de leur pays respectif. Donc les filières enseignées plus précisément c'est tout ce qui a trait à l'économie, c'est le droit, c'est le développement, c'est les sciences de l'ingénieur, c'est les mathématiques, c'est l'architecture, c'est l'agriculture, c'est l'environnement, voilà, c'est les sciences de la santé, c'est les sciences de l'éducation, voilà. Donc si vous faites en fait toutes ces thématiques là ou du moins si vous avez déjà eu un précédent diplôme dans l'une de ces thématiques que vous voyez juste là à l'écran, vous avez la possibilité et l'opportunité de vous inscrire pour le compte de l'année 2021-2022 ou alors 2022-2023 au prestigieux programme de bourse et post du DAAT pour étudiants ressortissants des pays en développement. Je prendrai bien sûr la peine de vous laisser en bas de description de la vidéo voilà le curriculum vitae du programme que vous voyez juste là à l'écran. La bourse du DAAT est une bourse complète, voilà, dans le cas où vous êtes sélectionné à ce programme d'excellence, vous êtes couvert entièrement par le programme de bourse. Donc, qu'importe l'université allemande dans laquelle vous serez placé ou du moins dans laquelle vous aurez votre admission, vous serez bien sûr entièrement financé. C'est une bourse qui couvre toutes vos charges d'étudiant en Allemagne. La bourse EPOS, dans le cas où vous êtes sélectionné, est une bourse qui couvre entièrement vos charges d'étudiant en Allemagne. Déjà, vos frais de scolarité sont entièrement payés, voilà. Vous bénéficiez d'un an ou du moins 6 mois de formation de langue allemande. Vous bénéficiez également d'une allocation de subsistance mensuelle, d'une couverture santé. Et bien sûr, vous avez également une aide au logement pour les étudiants qui pourront en faire la demande. Donc, effectivement, c'est une bourse 4 étoiles qui vous accorde la possibilité voilà, d'étudier dans de bonnes conditions en Allemagne. Et sachant que le principe de la bourse il est assez simple, la bourse EPOS exige à ce que au terme voilà, de vos formations en Allemagne, au terme voilà, de tous vos cursus, après avoir acquis en fait, les compétences techniques et opérationnelles dans votre filière, que vous puissiez en fait rentrer dans votre pays pour pouvoir contribuer
au développement. Alors, si ce programme t'intéresse, dans ce cas, tu as la possibilité d'inscrire à ce programme de bourse. Nous tenons bien sûr à te préciser qu'il s'agit d'un programme qui a été ouvert exclusivement pour les étudiants ressortissants des pays en développement. Donc si tu es issu du continent africain, qu'importe ta nationalité, si tu viens d'un pays d'Amérique ou d'Asie en développement, tu as la possibilité de t'inscrire à ce programme EPOS pour le compte de l'année universitaire 2021, 2022 et 2022-2023. Alors, sur cette liste, comme vous pouvez le remarquer ici à l'écran, le DAAT a précisé en fait l'ensemble des formations ouvertes par rapport à ce programme de bourse. Ils ont également pris le soin de préciser, comme vous pouvez le remarquer là, l'institution qui offre en fait la formation, la langue d'enseignement, le degré que vous allez obtenir au terme de la formation, le nombre de mois de la formation. Ils ont également précisé, comme vous pouvez le voir ici, la date, limite de candidature par rapport à la bourse liée à cette formation. Et bien sûr, au cas où peut-être que vous ne souhaitez pas obtenir la bourse ou dans le cas où vous n'avez pas eu la bourse, vous pouvez aussi vous inscrire comme candidat régulier, mais dans ce cas, en ce moment-là, vous devrez payer l'ensemble des charges d'étudiants à vos frais. Donc, je prendrai bien sûr le soin de vous laisser en bas du descriptif de la vidéo le lien qui va vous rediriger sur cette page. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit en fait de toutes les formations que nous avons tantôt citées. Vous avez tout ce qui a trait à l'économie, aux sciences humaines et sociales. Vous avez affaire à tout ce qui a trait aux sciences professionnelles, tout ce qui a trait au métier du droit, à tout ce qui est lié à la science politique, aux sciences de l'ingénieur, à la médecine, aux sciences de la santé, aux sciences agronomiques, à tout ce qui est lié au développement. Donc, vous avez effectivement l'ensemble de ces formations-là qui ont été ouvertes par le comité du DAAT pour le compte de l'année 2021, 2022 et 2022-2023. Je marque aussi une pause ici pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, nous t'invitons vivement à le faire. Déjà, le fait de t'abonner te permet de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, de 1. De 2, ça permet aussi d'agrandir la communauté. Dans ce cas, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, c'est totalement gratuit. Tu commentes, tu partages. Il peut y arriver qu'une opportunité ne t'intéresse pas particulièrement, mais ça peut aider un frère, un ami, une connaissance. Et cela peut lui permettre d'avoir accès à l'information. Qui sait, grâce à toi, quelqu'un peut réussir un programme d'études à l'étranger. Dans ce cas, tu partages, c'est totalement gratuit. Mais tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et nous t'informons également que dans le cas où tu souhaites bénéficier de notre coaching et de notre accompagnement étape par étape dans cette candidature, tu as la possibilité d'inscrire à nos formules de coaching. Pour ça, nous t'avons laissé nos informations en bas du descriptif de la vidéo. Tu auras simplement à nous contacter. Et bien sûr, après inscription à nos coachings, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Je marque également encore une pause pour te préciser que pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder l'ancienne vidéo, la vidéo précédente que nous avons fait sur la bourse du Japon, nous tenons à vous informer qu'effectivement la bourse est déjà ouverte. Comme vous pouvez le voir défiler à l'écran, vous avez en fait les différents appels à candidature qui ont été ouverts dans les ambassades du Japon dans vos pays respectifs. Donc je vous invite vivement à vous rapprocher de l'ambassade du Japon de votre pays pour avoir accès à toutes ces informations, ou alors tout simplement en regardant la vidéo que nous avons fait précédemment sur la bourse du Japon pour connaître tout ce qu'il y a lieu de savoir sur cette bourse, comment candidater, comment introduire son dossier de candidature, quelles sont les conditions d'éligibilité ou du moins quels sont les bénéfices de la bourse. Et nous avons également informé que dans le cas où vous souhaitez bénéficier de notre coaching et de notre accompagnement dans le cadre de cette procédure, tu as la possibilité également de t'inscrire à nos formules de coaching. Et bien sûr, après inscription, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Bien, alors concrètement, comment se déroule la procédure de candidature dans le cadre de la bourse EPOS? Nous vous avons déjà précisé que c'est une bourse complète qui finance toutes vos charges d'étudiants en Allemagne. Et que l'une des conditions préalables pour pouvoir candidater à ce programme, c'est bien sûr d'être originaire d'un pays en développement. Autre condition, c'est bien sûr déjà d'avoir un diplôme précédent dans votre formation de base, soit une licence, soit alors un master. Au cas où vous souhaitez vous inscrire en master, vous devriez avoir une licence. Au cas où vous allez vous inscrire en doctorat, vous devrez déjà avoir un master.
Alors, la procédure de candidature est assez simple. Voilà, je prendrai le soin de vous laisser cette fiche en bas du descriptif de la vidéo. Vous allez juste sélectionner en fait la formation qui vous intéresse. Et une fois que vous avez sélectionné la formation qui vous intéresse, vous allez être automatiquement redirigé sur la page du programme qui vous donnera toutes les informations relatives à ce programme, les conditions d'admission, les conditions d'éligibilité. Et comme vous pouvez le remarquer ici, ils ont effectivement précisé que dans le cas de, prenons par exemple de la première formation, le master en développement et économie internationale, la date limite de candidature par rapport à la bourse est fixée bien sûr au 31 août 2021. Donc tous ceux qui sont intéressés par ce master ont la possibilité de s'inscrire jusqu'au 31 août 2021. À savoir que le grade que vous allez obtenir à la fin de la formation, c'est un master, il dure 17 mois et la formation se déroule entièrement en anglais. Donc vous voyez qu'effectivement, vous avez sur cette page toutes les informations relatives à ce programme. Nous allons un peu aller un peu plus en détail pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Prenons, voilà, je vais choisir une formation au hasard. Donc comme j'ai tantôt dit, vous allez juste sélectionner la formation qui vous intéresse. Donc, supposons que voilà, je suis un candidat lambda, je souhaite m'inscrire voilà, au master en économie et développement international. Dans ce cas, voilà, je vais simplement cliquer sur le programme. Et comme vous pouvez le remarquer ici, je suis automatiquement redirigé sur la page officielle du programme du master économie internationale et développement. Alors, je vais aller au niveau de la rubrique postuler, tout simplement. Et vous voyez qu'effectivement sur la rubrique postuler, le comité de sélection a laissé toutes les informations de base relatives au programme. Comme vous pouvez le remarquer ici, la date limite par rapport à la bourse est fixée au 31 août 2021. Et dans la date limite sans bourse est fixée bien sûr au 30 septembre 2021. Alors, la procédure de candidature, ils ont également décrit la procédure de candidature. Premier élément, ils ont dit, assurez-vous, voilà, de remplir les conditions d'admission par rapport à ce master. Donc, nous allons essayer déjà de cliquer sur les conditions d'admission pour voir ce que le candidat doit remplir au préalable pour pouvoir être admis. Voilà, comme vous pouvez le remarquer ici, vous devez être soit titulaire d'un diplôme universitaire de premier cycle, vous devrez avoir une preuve de maîtrise de l'anglais. Et ils ont également précisé que dans le cas où vous avez effectué votre diplôme de licence en anglais, vous n'êtes pas tenu d'ajouter un certificat de langue. Voilà, la preuve de votre diplôme est amplement suffisante. Et vous devez bien sûr avoir d'excellentes notes académiques. Donc, voilà qu'effectivement, ils ont précisé en fait tous les éléments qu'il faut connaître, voilà, par rapport aux étudiants qui souhaitent s'inscrire à cette formation. Bien. Donc, hormis les critères d'éligibilité, il y a bien sûr préparé les copies ou les pièces justificatives. Ils ont également renseigné voilà, la liste complète des documents que vous devez joindre à la candidature. Comme vous pouvez le revoir ici, vous devez préparer une lettre de motivation. Voilà. Vous devez préparer l'ensemble de vos relevés de notes. Vous devez ajouter bien sûr la copie de vos certificats d'études secondaires, votre bac, votre licence. Également, vous devez préparer votre curriculum vitae au format européen, voilà, de préférence. La copie de votre passeport, comme vous pouvez le voir ici, ils ont mentionné également la copie de votre passeport. La preuve du maîtrise de la langue anglaise, car comme vous avez si bien remarqué, lorsque nous avons montré un peu plus haut, pour pouvoir s'inscrire à ce master, vous êtes obligé, voilà, d'avoir soit une base, voilà, à maîtrise élémentaire de l'anglais. Voilà, donc vous devrez normalement justifier au comité de sélection que vous avez, voilà, ce niveau de langue anglaise, vu que la formation se déroule entièrement en anglais. Donc, vous voyez qu'effectivement, toutes les informations ont été renseignées. Et une fois que vous avez complété, en fait, la liste des pièces justificatives, le comité de sélection précise effectivement que vous devez envoyer en fait le formulaire ainsi que les pièces justificatives à l'adresse mail suivante. Donc vous avez effectivement affaire ici à une procédure qui est dématérialisée. Donc tout se passe entièrement en ligne. Il n'y a pas de dossier papier que vous devez envoyer quelque part. Tout se fait en ligne. Et une fois que vous avez réuni l'ensemble des pièces justificatives, vous l'envoyez tout simplement à l'adresse mail tout en respectant bien sûr les dates limites de candidature. Donc voilà un peu précisé, je vous ai ici montré un exemple, voilà, comment est-ce que vous pouvez candidater de manière plus concrète, voilà, aux formations diplômantes
du DAAT. Voilà, ces formations que vous voyez tout juste là à l'écran, comme vous pouvez le voir, ce sont des formations à la fois de niveau master et niveau doctorat. Donc voilà, donc si effectivement cette bourse t'intéresse, nous t'invitons vivement à y candidater. Voilà, l'avantage des programmes de bourse, c'est que c'est totalement ouvert à tous. Ne te dis pas que voilà, je ne peux pas réussir. Non, voilà, tu candidates et tu, en respectant bien sûr les conditions d'admission, tu peux bien sûr réussir au programme. Et nous t'avons informé que dans le cas où tu souhaites bénéficier de notre coaching et de notre accompagnement dans le cadre de cette procédure, nous t'avons laissé en bas de descriptif nos informations de contact. Et à partir voilà, de là, tu peux entrer en contact avec nous et nous pourrons bien sûr, après inscription au coaching, nous pourrons te suivre dans la réalisation de ton projet. Sache que l'Allemagne, c'est effectivement l'un des pays européens qui est leader dans l'enseignement, dans la recherche, dans l'éducation. Ses diplômes sont reconnus à l'échelle internationale et avec cette bourse, tu as la possibilité non seulement d'améliorer tes compétences au niveau intellectuel et académique et bien sûr au niveau professionnel également. Et bien sûr, au terme de ta formation, tu pourras disposer de toutes les compétences et connaissances nécessaires qui pourront t'aider à participer au développement de ton pays d'origine. Bien, je crois que dans l'ensemble, je vous ai communiqué le maximum d'informations relatives à ce programme. Juste pour nous résumer, la bourse du DAAT, voilà, c'est une bourse ouverte exclusivement aux pays en développement, voilà, qui vous accorde en fait cette opportunité de faire une formation diplômante de niveau master ou doctorat en Allemagne entièrement financée. Voilà, et qui vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir participer au développement de votre pays. Cette formation, ou du moins ce programme, est ouvert à tous les champs disciplinaires, comme vous pouvez le remarquer juste là. À l'écran, vous avez tout. Si vous faites de l'économie, si vous faites du droit, si vous faites des sciences, de l'ingénieur, si vous faites des mathématiques, des sciences de la nature, l'éducation, la géographie, les géosciences, voilà, toutes ces filières-là, vous avez la possibilité de participer au programme de bourse du DAAT. La procédure est entièrement dématérialisée. Le principe est simple, vous allez sélectionner le programme qui vous intéresse et bien sûr directement candidater en suivant bien sûr l'exemple que nous avons montré, par exemple pour le cas de la première formation de ce programme. Savoir que vous devez respecter les dates limites de candidature pour que votre dossier voilà, puisse être validé. Et nous vous avons également informé que dans le cas où vous souhaitez bénéficier de notre coaching et de notre accompagnement, dans le cas de cette procédure, tu as la possibilité de t'inscrire à nos formules de coaching. Le principe il est simple, tu nous contactes en privé, tu t'inscris et nous pourrons ensuite te suivre dans la réalisation de ton projet. Bien, vous êtes déjà des milliers à suivre davantage nos vidéos. Nous vous invitons davantage à liker, à commenter, à partager au maximum. Voilà, ça fait toujours du bien de voir la communauté s'agrandir. Et bien sûr, lorsque nous allons atteindre un certain nombre d'abonnés, nous allons changer le rendering des vidéos. Nous vous avons également informé que dans le cadre de la chaîne, nous avons créé un groupe Facebook dénommé les Cravelers. Dans ce groupe, nous partageons des informations additionnelles sur le programme. Nous vous donnons d'autres informations à temps utile sur les différents programmes d'études, de bourse ou d'immigration à l'étranger. Bah, si tu es intéressé, nous t'invitons vivement à adhérer à ce groupe. Le principe est simple. Tu tapes juste les Cravelers, ton moteur de recherche Facebook, tu pourras nous retrouver et nous pourrons simplement vérifier si oui ou non tu es abonné à la chaîne. Dans le cas où tu es abonné à la chaîne Free Cravel Channel, tu seras automatiquement ajouté à la communauté. Bien, je crois que dans l'ensemble, nous avons communiqué le maximum d'informations relatives à ce programme de bourse. Si cette vidéo t'a plu, tu nous laisses un gros pouce bleu sur la vidéo. Voilà, ça fait du bien de voir la communauté s'agrandir. Mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune des prochaines opportunités que nous partageons sur la page. Nous te disons simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.